Le report des élections présidentielles de décembre 2024 plane au-dessus du pays. Au sein des cercles du pouvoir en Algérie, une décision potentiellement explosive se profile, le report envisagé des élections présidentielles prévues pour décembre 2024. Cette information, loin d'être une simple rumeur, émane de sources crédibles et bien informées, révélant un débat agité au sommet de l'État. L'objectif, trouver un moyen de prolonger le mandat d'Abdelmadjid Tebboune au-delà de la date butoir du 19 décembre 2024. Avec le manque de soutien pour un second mandat de Tebboune, l'absence de candidats crédibles et le flou entourant sa succession, le pouvoir algérien se retrouve dans une impasse. La perspective d'organiser des élections transparentes et légitimes semble de plus en plus incertaine, poussant les décideurs à envisager sérieusement le report du scrutin présidentiel. Cette option, bien que discutée en toute discrétion, est loin d'être anodine. Les autorités algériennes cherchent activement des justifications légales à cette décision radicale, invoquant des conditions instables et des menaces extérieures à la sécurité nationale. Pourtant, ce scénario risque de plonger l'Algérie dans une crise d'illégitimité et d'instabilité politique sans précédent, fragilisant davantage ses institutions. Face à cette menace imminente, certains responsables politiques tentent déjà de sonner l'alarme, appelant à une mobilisation nationale pour défendre les principes démocratiques et le respect des échéances électorales constitutionnelles. Selon la Constitution, les élections présidentielles doivent se tenir avant la fin du mandat présidentiel en décembre 2024. Pourtant, les récentes déclarations de personnalités politiques laissent planer le doute sur la possibilité d'un report jusqu'en 2025. Les propos d'Abdelkader Bengrina, président du Mouvement pour la Reconstruction, et de Louisa Hanoun, secrétaire générale du Parti des Travailleurs, alimentent les craintes d'une manipulation de l'opinion publique en faveur d'un report. Cette situation soulève des inquiétudes légitimes au sein de la population, alors que le pays traverse déjà une période économique, géopolitique et diplomatique délicate. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.